Bonjour maison. Bonjour famille. Comment ça va? Bien dormi? J'attache le Moussouba. Je m'apprête pour aller à l'école. C'est le Moussouba du week-end. Parle doucement comme ça parce que ça dort encore. Ça va pas tarder à se réveiller. Là, il est 6h du matin. Je parle doucement comme ça pour éviter de réveiller tout. C'est qu'il se réveille tranquillement, je ne fais pas trop de bruit. Ça ne va pas tarder là. J'entends les portes. Ah, j'ai dit. J'entends les portes, ça doit être à l'enfant. Ça doit être à l'enfant. Bonjour. Marie la douce. Comment ça va? C'est une mission du week-end. Hein? Nous sommes du week-end. Coucou Marie. Ça va? Je vous laisse arriver tranquillement, tranquille. On attache le monsieur là. Ça, c'est Alain qui commence. Après ça va être la pépette, après ça va être Nicolas, après ce sera moi. On va dans l'ordre. Le collatif. Hein. Merci. Merci ma chérie. On dit quoi? Le bon Moussouba. Bio. Avec le boyau. Tout est halal. Donc, pour ceux qui veulent manger le Moussouba, si vous êtes à Paris ce week-end, n'hésitez pas à venir à la soirée là. La soirée dont je mets le flyer là, n'hésitez pas à venir pour manger le Moussouba en détail. Je crois que je vais faire un Moussouba, je crois, 2 euros. Hein. Oui. On ne sera pas 2 euros. Et 5 à 10 euros. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis une dame, salam. On fait comment? Hein? Une dame, salam. Donc, dame, salam, ce que tu fais, ce qu'il y a, quand il y a l'opportunité, tu fais seulement. J'espère que vous allez bien. Autant de vous de vie. Bon courage. Merci beaucoup, Latifa. Bon courage à ceux qui sont là dehors. Hein. Maman. Avec le temps-ci. La pluie. Depuis hier. Ça ne s'est pas arrêté. Et. Kourou. L'ouragan a fait que. La tornade a fait que. Ah, ça. Le monde part en couille. Hein? Vous ne voyez pas ça. C'est bizarre. Hein? Bonjour Christelle Morel. Ça va? Le monde part vraiment en couille. Bon. Trop de choses bizarres qui se passent. De choses bizarres. On dit quoi? Merci de partager. Hein. Ça va. Ça va, je me suis levé à 4h là. J'ai commencé à prendre un peu. Après, je suis venu là pour attacher mon mission là. Parce que j'ai mon frère et ami qui me donne l'opportunité d'aller vendre mon mission là. Oui, non. Parce que c'est difficile hein, à mon âge là de suivre 10 lièvres à la fois.
quand tu as 30 ans, bon, c'est pour ça que vous qui êtes encore jeune là, profitez. Hein. Quand tu commences à atteindre les 40 ans là, tu ne fais plus les choses comme quelqu'un qui a toutes ses capacités. Hein. Ça commence à être limité. Hein. Tu deviens un peu déficient là. Parce que tu es limité sur certaines choses. Hein. C'est pas facile. Pas facile du tout. Donc quand tu as encore 25, 30 ans là, fais vraiment ce que tu peux faire. Sans hésiter. Parce que arriver là, les 50 ans là, tu commences à sentir comment ça pèse sur toi. Hein? Hein? Tu sens comment le corps ne répond plus comme quand tu étais jeune, quoi. Coucou Marie Manie, ça va? Bonjour ma chérie, ça fait longtemps. Hein? Partagez. Aujourd'hui là, quand j'ai la force comme ça, hier je me suis couché tôt. Hein? Et maman, j'ai trouvé que la pépette, comme elle ne travaille pas le mercredi, elle a fini de me faire à manger. Donc ça fait que quand on rentrait seulement, elle t'accueillait avec le plat de nourriture. Ce qui fait que 19h, moi, j'étais déjà au lit. J'étais déjà au lit tranquille. J'étais déjà au lit le coup de ça. Dès que j'ai fini de boire mon thé là, au lit. Et donc toute la pluie là, à un moment donné, je me suis réveillée vers 23h. Là, ça. Vraiment la pluie de ça. La pluie. Bon. Je pense que ça, c'est le genre que ça me donne pas envie de sortir. Faut être sorcier. Faut être dehors. Hein? Est-ce que tu vas profiter dehors? Sous la pluie. Oh. Tout le monde est enfermé chez lui. À l'heure là. À l'heure là, tout le monde est enfermé chez lui. Donc, là, j'attache une leçon là pour ce week-end. DJ Christian Nomo, le sourire de Paris, organise les 30 ans de carrière de Bissau Solo, l'artiste Bissau Solo. Donc, le leçon là, si ça va aller à la soirée, il m'a dit, ma soeur, viens. Viens, on va faire ensemble, on va animer la soirée. Voilà. Et donc, comme ça fait longtemps aussi, parce que chaque temps, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de danser. On va aller danser un peu. On va aller bouger le corps, bouger les reins. Faut bouger le popotin un peu. Dégraisser un peu, n'est-ce pas? Donc, et en live, hein. Live avec l'orchestre et tout ça là. Maman, imaginez-moi, je vais sautiller là-bas. Et lundi, école. Coucou, c'est qui? Pourquoi que je dis Lismal? Oui, Azuzi. Faut pas que je décortique ton nom, hein, ma chérie. Azuzi. Voilà.
Ça va, Zouzi? On dit quoi? Tu fais quoi aujourd'hui? Marie-Magne, tu t'apprêtes pour aller au boulot ou bien? Azouzi, toi, tu fais quoi là? Ah, en Belgique, en Belgique. Mais non. Ah, tu viens de te réveiller. Bah oui, bah prends le temps de te réveiller alors. Prends le temps, ma chérie. En train de bosser, bosser là. À 7h, c'est la pépette. 7h30, Nicolas. Et 8h, c'est moi. Voilà. On va suivre l'ordre. Faire des bonnes petites formes qui donnent envie de piquer comme ça là. Asana, Hassan, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Et toi, Asana, Hassan, comment tu vas toi? Faut que je finisse d'attacher tout ça avant 7h30. J'ai le temps quand même de réveiller Nicolas, de l'apprêter. Tout ça avant 7h30. J'aimerais bien manger ta cuisine un jour. Avec plaisir, à l'occasion. Oups! Il va se présenter, il n'y a pas de souci. Là, je suis en train de faire pour Paris. Là. Je continue. Ils me disent que faut faire attention.
Nous sommes en vigilance. Nous sommes en vigilance. Comment ils ont appelé ça là? Vigilance de l'inondation avec les pluies là, c'est grave. Tout ce qui est la pluie là toute la journée, vous vous rendez compte? À manquer. Bonjour à manquer. Princesse, ça va? Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Je fais comme on faisait souvent au pays, non? Tu finis d'abord d'apprêter ce qu'il y a à faire et après, donc maintenant, tu vas t'apprêter pour aller à l'école. Je vais aller à l'école, non? Je vais pas à l'école. En semaine, ça va. À l'école tous les jours. Merci beaucoup, Manté. Allô? Hey. Voilà. Ouais. Pardon, va t'habiller. T'es déjà debout? Les enfants marchent sans caleçon dans la maison comme moi, non? Quand je viens en live, je suis habillé. Mais quand je suis dans la maison, là, si tu as la clé, tu vas venir me surprendre sans caleçon. C'est la pépette. Elle est déjà debout. D'habitude, elle se lève à 7 heures. Alain, lui, il est déjà debout. Et tu vas voir que Nicolas va aussi se lever. C'est comme ça que l'enfant là est. Quand il ne part pas à l'école, il se lève tôt. Mais quand il part à l'école, où il fait exprès de se lever tard, rendez fou. Pour me voir partout dans la maison en train de crier. Non, c'est pas évident. On cherche la vie, non? La vie nous cherche, nous aussi on la cherche. C'est comme ça, hein? Elle devient déjà tellement dur que on est obligé de faire comme ça. Hein. La vie devient déjà tellement dure. Oh ma Kessie. Comment tu vas ma chérie? Ça tâche le Misunga, non? Et si tu viens à la soirée de Bissot Solo là, c'est en live, tu viens, on se retrouve. Si tu veux manger le miso là, tu viens là-bas, hein. Parce qu'il n'y a pas de livraison d'air. Si tu veux le miso là, 10 euros 20 euros et tout, tu auras. Mais bon, toi tu n'as pas de soucis là, tu n'as pas de soucis là que oh, je veux le miso là de 10 euros de 20 euros, tu n'as pas ça. Toi, tu veux c'est une, deux baguettes. Tu manges une, tu gardes l'autre congèle. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça peut me permettre de parler aussi de mon futur métier. Parce que toi, tu es déjà dedans à fond. Tu as déjà l'expérience au bout de ça. Vraiment. Chaque temps, je découvre ça. C'est trop beau. Et j'adore ce que je fais, je te jure. J'aime trop jusqu'à... J'aime trop. Lundi dernier, on a parlé de... du handicap, des déficiences, de quoi encore, certaines maladies, hein? Certains troubles, comme l'autisme et tout, vraiment, on était à fond. Là, je te jure. Trop bien, trop bien.
et tu comprends aussi certaines choses et tout, certains comportements de certaines personnes. Et j'aime trop. Bref. Mais il faut que je retienne aussi. J'aime, mais je ne retiens pas. Je te dis. J'ai déjà un cerveau de moineau. Je me force à lire. Je vais bien. Je vais au front pour les PAI, n'est-ce pas, Asia? Ok, je vais voir pour la soirée. Barquette, maintenant ta fille est dedans. En tout cas, j'ai été faire le PAI de Nicolas. Parce que Nicolas a un PAI aussi. Projet d'accueil individualisé là. Donc, j'ai été faire. Avant, je ne savais pas ce que c'était, franchement et tout. Mais maintenant, hey, je commence à comprendre certaines choses et tout, hein, le goût de ça. Et ça, le goût, quand tu comprends, hein. Hein? Seuls ceux qui sont dans le métier peuvent comprendre ce que tu parles. Et parfois même donner une conversation, quelqu'un va te dire, ouais, tu travailles dans quoi et tout ça. Et tu expliques, des fois la personne ne comprend même pas dans quoi est-ce que tu es et tout. Elle va seulement comprendre vaguement comme ça là et toi dire, ok, d'accord et tout. Mais quand tu es face à quelqu'un qui connaît le métier, le goût de la conversation, hein, ah, je comprends pourquoi il y a souvent des petits clans. Tu invites les gens dont il y a une diversité sociale, professionnelle qui est là. Et puis après, les gens, tu vois la personne accro en train de discuter avec l'autre. C'est parce qu'ils se sont déjà retrouvés dans une discussion identique. Ils font les mêmes choses. Oh. Ils parlent de la probabilité, de ce qu'il peut y avoir, des astuces et tout. Je te jure que c'est comme quand quelqu'un qui fait la cuisine aussi. Hein. Tu peux tomber sur quelqu'un qui fait la cuisine et tout. Mais la cuisine, on apprend tout le temps. Comme il y a une c'est même pas une sangette. C'est carrément un détracteur qui est venu écrire que... elle a écrit quoi là? Ouais, tu n'as plus de contenu. Franchement, ça ne sert à rien. Efface-toi. Un truc comme ça là. Regarde-moi celle-ci. Ils sont là. Les réseaux sociaux nous ont déjà donné la possibilité. Facebook, TikTok, Instagram, tout ça là. Ça dit que chacun trouve son compte. Merci, j'ai fait une formation sur l'autisme aussi. C'est le terrain qui va te retenir. C'est particulier quand même. Très particulier. Ah oui, on a quelques cas là-bas chez nous, mais c'est particulier. Je reste plutôt dans l'handicap moteur. Handicap psychique, mental, là, trouble du développement. Faut avoir la patience. Hein. Ah oui, faut avoir la patience. Déficit intellectuel, là, il faut avoir la patience, ma. Ah oui, c'est particulier. Hein. Vraiment. Sinon, ouais, comme je disais, La meuf, elle me sort ça, oui, tu n'as plus de contenu et tout ça. Je dis, mais merde, qu'est-ce qu'elle me raconte que je n'ai plus de contenu? Mais les gens pensent que c'est facile de venir s'asseoir déjà là-devant. Hein? Il faut avoir le cœur, le cardio. T'es habillé, mon cœur? Voilà. Okay. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà. Déjà prêt? Yes. Tu parles déjà? Ouais. Tu affrontes. Et quelle heure? T'as le temps là? Tu as le temps? Pour descendre avec la poubelle. Je te dis qu'alors qu'elles ne sont même pas sauté le riz, elles sont nombreuses comme ça.
Et en plus, elle est là sur ma page. Donc, si elle est là sur ma page et tout, on apprend tout le temps en cuisine. On ne se lasse jamais de la cuisine. Beaucoup de gens, les gens sont là, ils parlent, ils ne savent pas ça. On ne se lasse pas de la cuisine. Non, quelque chose qui part dans la bouche, quelque chose qu'on découvre tous les jours, on ne se lasse jamais. Elle dit, oh, il n'y a plus de contenu, tu n'as plus de contenu vraiment, tu ne sais plus quoi faire et tout ça. Ça dit que tu as envie de dire que va faire ta part. On voit que c'est facile de venir te mettre comme ça là devant les gens. Et ce sont eux qui sont prêts dans les critiques et tout. Hein. Faut les voir. Elle se cache sous son faux profil là pour insulter les gens. Elle scrute les pages des gens et tout. Et elle la ramène. Mais elle n'est pas capable de se mettre comme ça là. Proposer quelque chose. Et à long terme. Moi, ma part, c'est la cuisine. La cuisine. J'essaierai sauf que la napia, chaque temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps. Encore que je ne peux même pas trop me prononcer avec mon nouveau travail ici et tout ça là. Quand tu es encore au stade d'apprentissage là et tout, tu te mets un peu en retrait et puis tu ne peux pas faire les choses comme tu veux quoi. Mais oui. C'est quand tu es déjà confirmé quelque part. Là, oui. Mais comme ça, là, avant, non. Je ne peux pas trop te permettre. C'est pour ça que je me suis fait violence de beaucoup de choses. Je n'entrais plus dans des conversations inutiles. Hein? Conversations inutiles de la toile, là. Qui vont ternir ton image et tout ça, on ne sait jamais. Hein? Les gens sont tellement mauvais et méchants. Et d'autres qui sont même là, qui ont fini leur vie est déjà à bracadabra. Ils veulent t'en ticher cette image-là à tout prix pour que tu sois comme eux. Au nom puissant de Jésus, ça ne donne pas. Rien du tout. Merci beaucoup. Il faut de la patience, Marie. Beaucoup. Je dis que les autistes, c'est particulier. Il faut vraiment de la patience. Ah ben, je vais devoir prendre la clé si je prends la poubelle. Hein? Je vais devoir prendre la clé si je prends la poubelle. Parce qu'après, je pars direct. Ouais, ok, vas-y, hein. Je vais avec la poupette. Tu vas déjà? Ouais. Bonne journée, chérie. Dieu te bénisse. Déjà parti comme ça là, le temps est compté. Hein. Après, ça va être autour de la pépette. Alors lui abonde à beaucoup de courage, il fait de la patience, oui. Nadège Prudence, bonjour. Comment tu vas ma chérie? Bonjour, bon réveil. Pas
partir de cet instant, quand Alain a déjà franchi la porte, pour que moi aussi j'accélère. Je dois accélérer. Le muscle là soit épais, pour que ça soit bien épais. Voilà. Un petit muscle là comme ça là qui me bouffe les cordes. Non, celui-ci il est petit comme ça. Voilà, on mélange ça avec ça. Et on ferme bien. Ça fait que quand tu mords seulement. Coucou ma mère, félicitations. Hein. Hier tu m'as appelé là, je dormais déjà. Hein. J'ai vite dormi, tu vois que je suis déjà debout tôt. Hein. Je suis déjà debout. Félicitations ma mère. Nouvellement, mamie. Au bout de ça, c'est une bénédiction, c'est des grâces. C'est des grâces. Dieu te bénisse avec ta famille, ma mère. Eh ouais. Au bout de ça, le goût de voir tes petits-enfants, de voir ta famille s'accroître. C'est magnifique. La santé. La joie, l'amour, tout ce bonheur là. On rend grâce à Dieu. Félicitations à ma soeur. Bienvenue au bébé parmi nous. Que cet enfant soit entouré de bonnes personnes. Qu'il grandisse dans la joie, l'amour, la paix. Loin des malfrats de ce monde. Parce que maintenant, quand un enfant naît, il faut vraiment le bénir. Parce que demain, on ne sait pas comment ça va tourner, on ne connaît pas son avenir. Trop de mauvaises choses. Viens à Bruxelles aussi, non. Je vais venir à Bruxelles sans m'inviter. Je vais venir chez qui? Samedi, Justine. Chez qui je vais venir à Bruxelles? On m'invite, ma chérie. Je vais pas me lever comme ça et dire que bon, je suis à Bruxelles. Quand je viens même souvent. Vous m'invitez lors d'une soirée, lors de... Je viens vendre le Missunga comme je vais faire samedi là. Il y a une soirée aussi aux États-Unis à Washington. Je devais être conviée. C'est une foire. J'étais convié même. Mais sauf que ça tombe mal parce que l'école, faut savoir dans la vie, hein, c'est l'école. C'est l'école qui a fait que je ne puisse pas y aller. Sinon, j'allais seulement vous annoncer que me voici maintenant aux États-Unis, à Washington DC, et tout ça. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. La période là tombe vraiment très mal parce que j'ai les examens à ce moment. J'ai les examens. Donc ça a été reporté à une prochaine date, à une prochaine fois. Quand l'occasion va se présenter. Mais là, ce n'était pas possible. Ce n'était vraiment pas possible.
vers 7 heures. Vers 7 heures. On est par à 7h25. Est-ce que je peux passer la commande et tu envoies ici à Bruxelles? Non. Je ne peux pas envoyer. C'est compliqué les envois, ma chérie. Très compliqué les envois. J'ai trop de soucis avec ça. Trop. Et ça m'a fait perdre l'argent, perdre la marchandise et tout. Ouais. Parce que Chronopost, là, ils te disent qu'il y a une garantie et tout ça. Pour que ton truc arrive normal. Toi, tu finis de prendre les dispositions. Et puis après, ce n'est pas suivi comme ça devrait. Hein. Tu te retrouves dans la merde. Hein. Parce que quand tu tombes sur comment on les appelle, les coursiers là, les livreurs, ça dépend des livreurs. Hein. C'est le livreur qui fait le relais. Hein. Ce n'est pas la boîte. La boîte peut te garantir. Oui, il y a ça, 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 vous inquiétez pas, tout va bien, garantie 100%. Ils finissent tout le baratin là. Tu payes cher. Mais au final, tu vas tomber sur un salopard de livreur qui n'en a rien à foutre. Qui te balance ton colis à gauche, à droite. Ou alors qui ne se rend pas compte de la qualité du colis. Et l'importance, on ne se rend pas compte de ça. Et du coup, c'est une fois sur, je sais pas, sur 20 colis. Hein. Ah oui. Et donc, j'ai eu trop de soucis avec ça. Soit il y avait des gens qui recevaient, et la personne va te dire que non, je n'ai rien reçu, alors que c'est marqué que la personne a reçu. Les colis suivis là. Soit il te dit ça met 24 heures. Bon, c'est beaucoup plus la période aussi que j'envoie souvent. Mais soit tu calcules en disant que oui, 24 heures du jour au lendemain, n'est-ce pas? Et après tu te rends compte que 2-3 jours passent, le colis n'est toujours pas arrivé. C'est quand même la nourriture. Hein. Quand même, c'est de la nourriture, tu vois. Donc, soit ça tombe que c'est un jackpot, tu as la chance, soit ça se gâte, et quand ça se gâte comme ça, souvent le client ne regarde pas que toi aussi tu es dans la perte. Tu entends seulement que oh, il me faut mon insunga. Tu as beau expliquer, tu as beau parler, c'est la nourriture. Donc du coup, j'ai arrêté en fait ce côté-là. J'ai arrêté. Maintenant, ce que je fais, c'est je vends sur place. Donc si tu es de passage sur Paris, et s'il arrive que je vienne en Belgique, peut-être pour X ou Y raison, pour un mariage, ou une soirée, ou un truc comme ça, à ce moment, voilà. Mais prendre le risque là d'envoyer, c'est pas... Non. Je peux pas te garantir. Je vais pas faire non plus celle-là qui... Argent à tout prix. Argent à tout prix. Non, non, non. Je travaille trop sur... ma propre personne, que je ne voudrais pas qu'il y ait des saletés, quoi. Tu vois un peu. Voilà. Que me disent que, oh, celle-là, elle mangeait l'argent des gens.
Elle ne te fournit même pas le truc comme il faut et tout. Non, non, non. J'aime pas la saleté. J'aime pas la saleté. J'aime quand tout le monde est content. J'aime quand tout le monde comprend. Quand il y a un minimum de compréhension, tu vois, pour une bonne... pour que ce soit fluide, quoi. Les difficultés, ça peut arriver, oui. Mais pas que ce soit interprété, genre, comme si j'avais fait exprès et tout. Non, 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 j'aime pas les ambiguïtés, là. Non, j'aime pas. Donc, je préfère te dire que quand il y aura l'occasion quand il y aura l'occasion que je vienne là-bas à Bruxelles ou pour X ou Y raison, à ce moment, oui. Mais avant, là, fais ce bout déjà vite, hein. Ce bout déjà vite, là. Oh merde, putain. C'est chiant. Pardon. Désolé. Je vais faire du lissage jusqu'à... jusqu'à 8 heures. Non, jusqu'à 8h30. 8h30, ouais. En fait, de 8h jusqu'à 8h30. Par rapport au temps qui m'est imparti, je vais finir ça ce soir.
ça, c'est ça. Parce que là, là, on court tout le temps. Faut mieux nettoyer aussi parce que la pépette, je vais la frapper pour qu'elle prenne la poubelle. Tout le gras là. Faut pas que je laisse ça là. Ça, même si je ne finis pas, mais au moins j'aurais déjà nettoyé. Et la pépette va amener ça directement à la poubelle. Gras, tu as beau faire les régimes et tout ça là, la graisse ne part pas, tu trempes ça dans l'eau chaude, ça ne part pas. Maman, c'est pour ça qu'elle fait bouillir ça plusieurs fois, comme ça au moins tu es sûr que en mangeant ça va pas rester à la gorge. Faut savoir faire le musunga, hein. Les gens trouvent que c'est banal et tout ça là. On a banalisé le musunga parce que les mauvaises personnes sont venues avec le mauvais cœur. C'est tout le monde qui veut faire le musunga maintenant. Mais il faut connaître l'origine et savoir faire. Parce que sinon, tu manges un musunga, tu ne voudras plus jamais manger le musunga dans ta vie quand c'est mal fait. Tout ce qui concerne les abats, tu ne vas plus le faire. Tu ne voudras plus goûter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a mal préparé ça. Et tu as voulu manger. Les gens qui ne prennent pas le temps de faire les choses. Tout simplement pour le mauvais cœur. Il faut qu'ils viennent gâter ta chose. Est-ce que vous se concentrer maintenant? Là, même si je ne finis pas, c'est pas grave, je vais venir finir ce soir. C'est le musunga du week-end. Je vais finir ce soir.
Et samedi matin, je vais cuisiner ça. Cuisiner ça samedi matin pour le samedi soir. Tout ça, ça c'est la graisse, c'est ça qui est là que dans le ventre. Tu veux diminuer tout ça, il n'y a pas moyen de diminuer la graisse. Est partie dans les coins, les coins, les coins, les coins, les coins, les coins. Tu te retrouves avec le gros ventre comme ma passe. Moi j'enlève souvent pour faire moins. Tu es sûr de manger un bon misoura sans gras. Vivian, c'est toi qui m'as fait comme ça. La chanson de l'heure. les Camerounais sont graves. Ils sont là, ils voient leurs frères dans la galère. Celui de Prince Aimé, il est venu ici en France, non? Qui le calculait? Personne. Tout le monde le voyait. On se moquait même de lui qu'il est déjà partout, il est partout dans les coins et tout ça là. Le gars rentre au pays. Hein? Un Ivoirien sort de nulle part. Il fait le truc avec sa chanson. Il dit qu'il va produire. Ça devient déjà que gros. Oh, les Ivoiriens ne respectent pas les Camerounais. Franchement, les Camerounais, faut arrêter ça. Vous avez la grande gueule quand c'est quelqu'un d'autre qui vient pour faire. Vous avez vos frères qui sont là, vous ne les aidez pas. Ils sont pleins, on leur montre tous les jours là. S'il faut se moquer, vous vous moquez. Mais quand un étranger vient pour dire qu'il vient aider, là vous sortez, on vous voit là. Vous avez les grandes bouches comme ça. Laissez des Bordeaux. Laissez des Bordeaux faire. Il a dit qu'il allait le faire. Laissez-le. Laissez-le. Aïe. Vraiment. Tout le monde voyait Prince Aimé. Personne ne faisait rien. Il est venu ici en France. Personne. Personne ne pouvait dire que, ah, voilà quelqu'un. Comme il chante dans la chanson que Viviane, elle dit que l'aveugle, là, qu'est-ce que je vais foutre de lui? C'est ce que vous avez aussi pris. C'est comme ça que vous avez aussi mis. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui là? Un aveugle comme ça. Maintenant, Desbordeaux prend. Il le considère. Dieu est passé par lui. Mansa. Ça devient que oh, les Camerounais d'abord. C'est-à-dire que la grande gueule n'en a rien. N'en a rien. Oh, vraiment. Faut voir comment les nerfs sortent. Les nerfs sont sortis. Des Bordeaux dit qu'il fait. C'est un grand musicien. Bon, Des Bordeaux est un grand musicien. Les Ivoiriens chantent, mon frère. Ah oui. Les Ivoiriens chantent. Celui de Maloc, c'est là où il veut se prendre pour celui qui est, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il a le monopole de la parole et de la connaissance. Quand il dit, c'est comme ça que ça doit rester. Je suis désolé, lui-même. Quand tu écoutes ses chansons, c'est quoi?
Tu vois une fille, elle a déjà envie de faire. Elle a déjà envie de faire. Elle a déjà envie de faire. Faut laisser, dis donc. Faut laisser. Laisse l'enfant la faire. Toi-même, tu avais vu ça aussi. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu es déjà trop prince aimé. Genre, jusqu'à ce que tu viens le défendre. Faut laisser souvent les gens tranquilles. Vous avez eu la chance d'avoir la visibilité sur les réseaux sociaux et tout. Vous parlez de tout et de rien et tout ça là. Mais apporter des bons raisonnements. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ça. Tu es déjà trop prince aimé. Vous galérez ici en bain. Il était déjà jusqu'à toi-même, tu te moques de lui qu'il a le choronco. Toi, tu ne pouvais pas voir qu'il avait le choronco depuis et puis tu lui as acheté ça. Hein? Il sortit les yeux là et tout ça. Oh, il faut respecter, prince aimé. Il faut respecter. Quelqu'un n'a même pas encore commencé. Il n'est qu'au début de vouloir faire quelque chose. Ça prend, le buzz prend. Vous amenez déjà vos longues bouches là, vos longues connaissances et tout. C'est comme ça que vous tuez la personne. Mais oui, parce qu'à la fin, s'il dit qu'il ne fait plus, il faut alors faire. Il faudra faire après. Vous êtes sûr que ça va prendre la même ampleur? Chacun a son étoile. L'étoile de Bordeaux brille. Et c'est parti s'accrocher sur l'étoile de prince aimé. C'est pour ça que ça passe. Toi, tu vas aller faire. Tu es sûr que ça aura la même ampleur? Tu es sûr que ça aura le même buzz? Tu es quelqu'un dans sa cuisine avec Sanga. Il chante Viviane, Viviane. Ça prend. Dites merci. Pourquoi ça vous énerve que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse? Camerounais. Toujours amener la sale mentalité là. Ça, c'est le mauvais cœur. Au mauvais cœur. Tout le monde veut déjà faire la chanson de Viviane. Une vieille chanson qui était là depuis. Maintenant, on discute même déjà ça. Chacun d'autres qui sortent là-bas, Koro, c'est moi qui ai composé. Koro, c'est eux qui est. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Viviane. Oh, Viviane. Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane. C'est ça, non? On va danser un peu. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh, Viviane, eh, Viviane, oh, Viviane, Viviane. Tout le monde veut dire la chanson là. Comme les réseaux sociaux, on nous a montré qu'on peut gagner de l'argent. Avec toutes les chansons qui sont là, pardon, allez reprendre aussi les chansons des autres. Allez reprendre. Laissez, comment il s'appelle, Bordeaux. Laissez Bordeaux faire sa part. Laissez-le. Il a trouvé une chanson qui pouvait faire le buzz et ça a donné. C'est pas vous qui devez lui dire comment il doit marcher avec Prince Aimé. Je pense que la chanson, c'est tellement personnel d'abord. Donc, Malox, fiche le camp aux gens. C'est comme ça que moi, je ne t'aime pas. C'est comme ça que tu avais volé mon concept. Le goût de ça, tu es parti pointer ça là-bas avec MTN. Toi-même, c'est pareil. Vous aimez trop la visiter. Il faut qu'on vous voit, mais vous ne voulez pas que les autres qu'on les voit aussi. Laisse de Bordeaux tranquille. Fais ton étude. Il y a plein de chanteurs qui sont là que toi aussi tu peux les élever. Oui, de Bordeaux a dit qu'il fait, laissez-le faire. Moi, je l'aime, Bordeaux. C'est un grand chanteur.
quand tu vois même comment le gars, quand il te prend le micro, il te positionne là devant un public, tu confirmes que non, le gars est né avec. Laisse-nous ta part que tu chantes là que, oh les filles, quand tu vois un go, elle a déjà envie de faire, elle a déjà envie de faire, elle a déjà envie de faire, mais c'est toi qui es le premier encore à venir insulter les gens, dis donc. Korgo Bouramis, Korgo Fa Bouramis, hala. Tu as avancé, avance ta part. Tu as eu la chance d'avoir comment gagner ta vie, tant mieux pour toi. Au lieu d'aider, tu apportes que la critique, la critique, la critique. Donc toi, tu crois que Prince Aimé n'est pas entouré de savoir que il y a des gens, c'est toi qui va apporter l'éclaircissement là, tout ça pour le buzz. Parfois tu interviens bien, mais là tu n'as même pas un peu de raison, dis donc, fiche le camp. Fiche le camp. Va faire tes choses. Tu n'as pas le monopole de du savoir. Rien ne dit que quand tu interviens, tout doit passer comme à la lettre pour que les Camerounais groupent. C'est même pas en criant ou en gueulant sur les gens que tu as raison. Donc, tu laisses de Bordeaux tranquille. Aïe, aïe, aïe. Enfin, là, ça va finir à la cour d'assises européenne. J'attache jusqu'à ce que la pépette parte. Dès que la pépette vient me dire que c'est bon, j'arrête. Parce que c'est à partir de là que tout se joue. À partir de là même. Le reste, on va continuer le soir, c'est pas grave. Mais j'aurai déjà bien avancé. Je suis fier de moi, là, vraiment. Coucou Marie Magne, tu as fini de t'apprêter. Tu reviens comme me dit bonjour. C'est le même direct, hein? Je suis toujours là-bas. Hein? C'est le même direct. Je suis toujours là. J'ai fini d'attacher mon maison. Je ne peux pas me laver aussi. Donc, je vais d'abord aller apprêter Nicolas. J'ai la chance. Maman, j'avais chaud hier soir que j'ai dormi avec. Ok. Ok. T'es déjà prête? Oui. Bisous. Ça va, chérie? Ça va, et toi, mon cœur? Oui, il faut que tu prennes la poubelle. Mais oui, tu as la clé. Alain n'a pas la clé. C'est après que j'ai réfléchi, donc que j'aurais dû lui donner. Ouais, mais moi je me fais du yé alors. Oui. Parce que le temps qui me restait là c'était pour faire ma gamelle. Donc je bouffe pas aujourd'hui. Non, j'attache. Tu fais ta gamelle. Tu voulais faire ça où? Vas-y, fais. Bah non, si je dois prendre la poubelle, c'est pas possible. C'est soit la poubelle, soit la gamelle. Bon, laissez alors, je vais descendre ma poubelle. C'est pas grave. Comment mon tupperware, le tupperware là-bas, s'il te plaît. Oh. Le tupperware, ton tupperware bleu là. Tu as pris le. Tu as oublié l'autre? Mm-hmm. Non, le couvercle bleu, c'est ça qui a la tomate là-bas. Donc, c'est pas possible. Tu as oublié ton truc. Okay. Comme ça? Tu as fini avec ta poubelle là? Oui. Attache alors, s'il te plaît. Il y a tes goûts là. Ok.
ce qui s'est passé. Le bal. Nicolas. À partir de maintenant, c'est la course. Nanonou. Bonjour mon cœur. Ça va? Attends, j'arrive. J'arrive à la maison, j'arrive. Donc, Nicolas est déjà debout. Il va sous la douche, là. À 45. À 45, j'arrête. Dès qu'il est 45, mes gens. Dès qu'il est 45, vous me dites. Please. Dès que 45 sonne, please, tell me. Please, please, please. À 45, vous me dites. Oh. Voilà, je suis encore dans la salle de bain, c'est parfait. Je suis revenu, mais j'ai réveillé Nicolas, ça va. On ne discute pas la douche. Chacun a son heure. Chacun a son heure. Donc, c'est son tour d'aller se laver. Et après, moi aussi, j'irai. Mais à 7h45, vous me dites. Pardon. Pardon, please. Please, à 45, vous me dites. Attends, j'en fais ce que je peux. Le reste, je range. Ça me laisse le temps de tout ranger. Si je ne finis pas, je vais aller remettre ça. Et c'est une chanson qui prend. Ok, tu chantes ça comme si. La chanson est laissée seulement dans ta tête.
La nounou? Ah. C'est bon, vas-y, douche-toi. Parce que je n'entendais pas l'eau. Je n'entendais pas l'eau, c'est pour ça. Ça. Coucou, bonjour. Bonjour, maman. Ça va? Ça me bouffe beaucoup de... Beaucoup de cordes. Ah, c'est top, maman. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Attends. Hey, ça va? Ne tombe pas dans la baignoire là-bas. J'étais mal. Quelle déception. Quelle déception. Bah, Longa. Il est pipi. Viviane. Piripipip. Balonga. Pipip. Piripipip. Balonga. Viviane. Piripipip. Balonga. Vous ne parlez plus. Vous êtes déjà occupé là. Partez monter d'abord dans les transports. Moi, je ne vais pas tarder à arrêter. Mais tant que j'attache encore là, je suis avec vous. Avec vous. De ça, la concentration de ça. Hey, coucou ma Chantal. Bonjour ma chérie. Ça fait longueur, hein? C'est comment non ma chérie? On dit quoi? Je suis en train de me dépêcher là. Je dis que... Nicolas, je t'entends pas. Hein? Ça va?
Je viens. Tu fais quoi? Tu te brosses? Perds pas le temps, s'il te plaît, chérie. C'est l'arbre de Jacques. Les gens. Oui, les cœurs de ça. Merci, ma sister. Merci, ma soeur. L'écran est rempli de cœur. Merci, ma soeur. Merci, merci. Oh. Et les voyous qui s'en mêlent aussi, là, ça perd le temps. J'avance au maximum. Au maximum. Vraiment, quand il est 45, pardon. Please, dites-moi où. Pardon, quand il est 45. Un sunga bien structuré comme ça là. Le goût de ça. Il est 47. Ouais. Là, s'il file alors. Hein. C'est là où ça m'énerve même. Parce qu'à 8h, moi aussi, je dois être sous la douche. Faut pas que j'arrive en retard. Il reste combien? Il reste... qui? Je vais finir d'attacher tout ça. Il reste deux fils. Deux fils. C'est pas grave. Le reste, c'est là. On va mettre ça. On va mettre au congé.
Ou bien je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça dans le mensonge. Je vais faire cuire ça. J'attache tout. J'ai pas le choix. Je vais pas laisser Je vais pas laisser deux fils. Donc mieux, je finis avec une femme. Ceux qui sont durs. Regardez, voilà, peut-être ça. Voilà. Il y a la stratégie dans ça aussi. Termine encore. Déjà tu n'es pas long. Si tu termines encore, tu seras encore plus court. Vraiment. Ça, c'est ce qui perd le temps encore. Vous voyez ça. Alors. Voilà. Dernière corde. Vous me finissez les cordes que les cordes qui restent et puis
même quand les cordes finissent. Même s'il reste les tripes, c'est pas grave. Coupez-les pour paraître, mais toujours. C'est bon, la nounou? La nounou? Je vais verser l'eau chaude dessus. Que ça bout, ça on va d'abord mettre ça de côté et on lave les assiettes en avance. On va laver ça pour enlever le verre.
Merci beaucoup. Je vous fais la journée là-bas et que l'on va jusqu'à. Je suis debout depuis 4 heures. Hein. 4 heures du matin. J'ai forcé mon cerveau à apprendre jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 5h30. Bon, le temps de. Tourner, virer, aller faire un tour dans les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que je suis venu m'asseoir ici, il était 6 heures. Donc la journée là-bas a été bien longue. Ah non, c'est bon? T'as fini ton procès aussi? Chantal, pardon, quand il est 8 heures, ma soeur, comme tu es là, pardon, quand il est 8 heures, tu me dis. Chantal, c'est avec le même téléphone là que j'utilise, c'est ça que j'utilise. 7h55, ok. Il est 8h, ok. Merci beaucoup ma soeur, merci. Nanounou, c'est bon? D'accord. Moi aussi j'arrive. Merci beaucoup ma soeur, merci. Et quand je... Tu as bien fait d'appeler. Hein.
C'est avec le même téléphone là que j'utilise. Parce que quand je suis à plonger, j'oublie. J'oublie, je suis tellement concentrée que j'oublie. Merci, Sisto. C'est bon? Je suis en direct. T'es habillé? À tous. Mes yeux. Voilà. Je fais bouillir. Ah, c'est ça que je disais. Comment je fais ça? Non, il faut que j'écoute ça. Je dois écouter. Comme ça. Donc, je vais traiter ça là. Je vais écouter. Mais bien, je vous laisse. Voilà. Comme ça, avant d'aller au boulot. J'écoute ça là avant d'aller au boulot. Je vais mettre ça dans le sac plastique. Donc je vais le plonger. Ça refroidit et puis après parfait. Bon les gens,
Merci beaucoup, hein, de m'avoir accompagné. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir accompagné. Je vous montre un peu vite fait. Et puis après, moi, je vais me doucher. La journée est encore bien longue. Voilà ce que j'ai attaché ce matin. Entre 6h et 8h. 2h de temps. Parfait. On laisse ça comme ça. On est encore en train de pré-cuire. On pré-cuit ça. Bien. Bon. Mes gens, que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse nos œuvres. Qu'il bénisse les gens que je vais aller rencontrer. Qu'il bénisse les enfants avec les enfants que j'accompagne. Qu'il bénisse les Missunguettes avec leur famille. Qu'il bénisse les formateurs. Qu'il bénisse mes responsables, mes collègues. Hein, et qu'il bénisse mes collègues de formation. D'accord? Qu'il bénisse mes enfants, mon mari. Qu'il le bénisse. Hein? Qui bénisse vos maris. C'est à vous de bénir vos maris. D'accord? Mais moi, je bénis le mien. Bénissez les vôtres. Si vous n'avez pas de mari, demandez à Dieu de vous donner un mari. Et comme ça, vous allez souvent le bénir tous les jours. Bénissez aussi Dieu pour qu'il puisse avoir le moment là qui se consacre pour vous, pour avoir quelqu'un aussi. Il faut toujours avoir quelqu'un dans la vie, non? N'est-ce pas? Bon, mes gens, je vous laisse. Qui bénisse mes œuvres, qui bénisse mes mains même, qui bénisse ma cuisine. Là où je sors le goût de ça, qu'il bénisse la soirée de samedi. L'organisateur, le sourire de Paris, Christian Nomo. Bissot Solo même, qui sera l'invité principal, le chanteur officiel. D'accord? Et qu'il bénisse aussi tous ceux qui vont venir à la soirée là. D'accord? Qui viennent, on fait la fête ensemble, on mange le misunga. Qu'il bénisse aussi mes poches avec le vrai argent. Parce qu'il y a les gens maintenant là que celui-là sort l'argent, tu ne sais pas d'où l'argent vient. N'est-ce pas? Donc qu'il bénisse cet argent qu'il va venir pour me donner et que ça vienne rester dans ma poche. Hein? Afin que je puisse utiliser ça à bon escient. D'accord? Bonne journée, mes gens. À plus tard. Gros bisous.